Hey, salut à tous les amis, c'est Lerastragos et bienvenue sur World of Warcraft pour la suite des LFR de Légion. Donc là, on est appelé pour la deuxième aile du cauchemar d'Emeraude. Là, ça va, j'ai attendu un peu moins longtemps, mais ça va. Bon, le fait de faire ça également, ça me permet de faire des trucs à côté. Donc, ça peut être pas mal, des hauts faits ou quoi. Donc là, nous sommes dans les Grisonnes. Nous sommes dans les Grisonnes version cauchemar. Hop. Et salut à tous. Donc dans les Grisonnes. Et nous allons justement aller affronter Ursoc. Ursoc le dieu ours. Et je vous en avais déjà parlé. Dans les Grisonnes, il y a un arbre monde qui est détruit. Actuellement, il s'appelle Vordrassil maintenant, ce qui veut dire la couronne brisée. Mais avant, il était intact. Il avait été planté par Fandral Forteramur avec l'une des branches de Nordrassil qui se trouve au Mont Ijal. Et c'était pour endiguer l'expansion de Saronite dans le Norfandre. Et voilà quoi, il a planté l'arbre, mais malheureusement l'arbre s'est fait corrompre par Yogg-Saron, les racines de l'arbre qui s'appelait Andrassil, la couronne des neiges. Les racines sont allées jusque dans la prison de Yogg-Saron, dans les pics foudroyés, Norfandre, ouais si c'est ça, les pics foudroyés. Et l'arbre s'est fait corrompre, les druides ont vu ça, et ils ont coupé l'arbre, et c'est devenu Vordrassil. Mais là, dans la version du cauchemar, déjà dans le paysage, nous voyons des tentacules là, et là, un grand arbre, c'est Andrassil. C'est sa version normale, sa version reconstituée. Il est toujours intact dans le cauchemar. Donc voilà, c'est cool qu'ils aient fait ça justement dans le raid. Bon après voilà, il y a vraiment des tentacules partout. Les furbolgs là, ils sont tous corrompus. Et bien sûr, je vous ai montré avec les screenshots de ce qui se passait lorsqu'on récupérait l'arme prodigieuse des druides spétanques. On venait aider Ursoc parce qu'il se faisait attaquer. Je vais jeter vos os au corbeau. On venait justement aider Ursoc parce qu'il se faisait harceler par le cauchemar et par Xavius. Et finalement, bah, il s'est fait choper. Et donc là, voilà la version du cauchemar d'Ursoc. Il va falloir le libérer, le petit. Lui, si à l'époque, au début de Légion, c'était vraiment un gear check. Si vous aviez pas le... Si les gens dans votre raid n'avaient pas le bon e-level, il était difficile à passer. Mais bon, là, maintenant, ça va. Et puis LFR, tout ça. On va vite le défoncer. Je vais vous écraser comme des arbustes. Il faut qu'alice quelqu'un et cette personne doit courir. Hop, de courir le plus loin possible pour pas que le raid se prenne trop cher. Hop, frénésie sanglante parce qu'il passe à 30%. Le cauchemar des vents. Hop là, voilà, rien de bien compliqué apparemment, mais... Du cauchemar est levé. Ouais. Je retourne enfin au grand sommeil. Hop là, voilà, on t'a libéré, Ursoc. Il donnait justement un bijou qui était très prisé par les CAC, il me semble. Je crois que c'est par les CAC. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, vous aviez plein de groupes qui venaient que pour Ursoc seulement. Ou alors, quand vous partiez faire la suite, ben, y avait plein de gens qui partaient du groupe parce que ils étaient juste là pour ce boss. Et le bijou qu'il donnait, il était quand même pas mal prisé. Attendez, est-ce que je peux le retrouver? C'est peut-être sans amplifier.
Ou alors instinct... Non, c'est peut-être instinct assoiffé de sang. Truc qui donne de l'agie. Se produit plus fréquemment contre les cibles ayant un peu de points de vie. Ouais, je sais pas. Je sais plus si c'est l'instinct. Chemin du rêve d'émeraude. Ah. Pendant mon long sommeil, ouais. C'est ici que je suis entré en communion avec le vol draconique vert. Ouais. Hop, on revient ici au cœur du cauchemar. Et la prochaine zone des gardiens tourmentés, c'est ici, au chemin du rêve d'Emeraude, là où justement les druides peuvent utiliser leurs capacités pour ensuite aller dans leur hall de classe. Et là, le chemin, il est corrompu. Et si vous vous souvenez bien, dans la partie de questing, où je vous montrais, quand c'était justement l'anniversaire de WoW, et que je vous montrais le fait qu'ils avaient remis, pour l'occasion, les dragons du cauchemar, Azur Egos et le seigneur Kazakh comme World Boss, et ben là, il va y avoir des noms qui vont vous être familiers. Sauf que bien sûr, ils n'ont pas la même apparence, là, ils sont vraiment, vraiment bien corrompus par le cauchemar. Nous avons ici Isondre et là-bas Léton. Ils étaient un peu libérés à Cataclysme du cauchemar. Le cauchemar faiblissait un peu, mais... Les fils de la vie ont été coupés. Les rêveurs ouais. doivent être vengés. Il y avait justement Isondre qui avait réussi à se libérer à Cataclysme de l'emprise du cauchemar. Dans vos yeah. Il n'y aura pas de paix pour le mal. Ouais. Ils se sont fait recorrompre à Légion. Oh. Cette terre va mourir. Coucou Emerys. Donc là, ce qu'il y a, c'est que ça marche un peu comme les quatre cavaliers de Max Ramas, je dirais. Demandez vengeance. Vous avez des marques d'Isondre, de Léton, d'Emerys. Et corruption du cauchemar. Et je sais plus qui c'est déjà le quatrième, qui augmente au fur et à mesure. Ah, quelqu'un qui a eu secret de ses fuses, ok. Hop. Il y a une mascotte à choper. Il y a également pour les moines, oh, il y a un truc. Que le destin est cruel. Ouais. Tu fus libéré du cauchemar, et il te reprend dans ses griffes. Certaines plaies ne se ferment jamais. Ouais, voilà. Tu as enfin trouvé la paix, ma vieille amie. Ok, donc là, il reste regardez, juste un boss. Oh. Ah mince. Ici dit, l'iris s'ouvre, le chemin menant à Scénarius est dégagé. Ouais, ça y est, l'iris du cauchemar. La nuit nous guide. Ouais, non. Hop là, on chope l'iris. Et on va à Reflet de Lune, mais version cauchemar. Version cauchemar, et là-bas, il y a Scénarius. Ah. Ok, Malfurion nous a suivis, là. Mince, il a peut-être parlé. Ah, mince, je crois qu'il a parlé. Ouais, dommage. Ce qu'il dit, c'est justement qu'il n'arrive pas à croire que Scénarius se soit fait corrompre. Hop. Ouais, c'est dommage. J'aurais dû rester au cœur du cauchemar et attendre qu'il parle. Tant pis. Ah. Les crashs là-bas. Je vais quand même vous montrer la mascotte qu'on peut choper sur les dragons du cauchemar. Et ce que j'ai pas fini de dire, c'est que justement les marques des boss dragons du cauchemar, si vous arrivez à 8 ou 9, vous êtes endormi pendant 30 secondes et ça c'est pas cool. C'est pour ça qu'il y a une technique Zerg et une technique... Ah, d'accord, c'est... Ouais. Ouais. Scénarius avait disparu, ok. Hop, fais voir mascotte dragonnée du cauchemar. Est-ce que je peux lire ça maintenant? 2 secondes. Hop là. Voilà la mascotte. Ah, non, ok, d'accord. Éliminée. C'est parti. Donc là, il faut libérer Scénarius. Hein. Nous devons frapper le cauchemar en retour. Hop.
Bon là la technique est un peu longue, enfin les techniques est un peu Démon, vous souillez les enfants du rêve pour vous sauver. Maître Yann, nous nous battons pour les sauver. Saisissez les corrupteurs. Vous combattez avec la force des cœurs purs. Ouais. Est-il possible que les ténèbres soient en moi? Oui. Hop là. Retenez-vous. Il commence à voir la vérité. Hop là, voilà, ça c'est s'est fait. Scénarius est vaincu, mais mon auguste maître. Laisse-toi! Maintenant, je dois consacrer toute ma force à le purifier. Xavius nous attend plus loin, dans la faille d'Anne, dans le vrai cœur du cauchemar. Ouais. Je combattrai bien à vos côtés, héros, mais cet endroit m'est inaccessible. Tu peux compter sur moi. Ok. Mon lien avec le rêve. Scénarius! Ah! Ne l'écoutez pas! Mon lien avec le rêve d'Emerald me confère un pouvoir considérable, mais il me rend aussi vulnérable aux ténèbres de la faille. Je le sais de source sûre pour les avoir regardés en face. Si je mets un pied là-dedans, je suis perdu tout comme Scénarius. Bon, les techniques Allez, de Scénarius... Détruisez le seigneur du cauchemar. Ouais. C'est le seul moyen de réhabiliter le rêve. Et de sauver Azeroth. Ouais, t'inquiète, on fera ça après. Nous devons mettre fin au cauchemar. Je peux vous emmener au cœur de sa corruption... quand vous le voudrez. Ouais, il suffit pour ça de sauter dans le maelstrom là. Ah ok, merci pour ça. J'étais en train de dire les techniques de scénario sont un peu longues à expliquer, mais voilà, ce qui se passe c'est que on arrive à le combattre. Il fait apparaître des ZAD qu'il faut DPS, heal ou des trucs comme ça. On a des stacks de corruption qui montent et il faut se purifier. Et voilà quoi, on parvient quand même à le défoncer, pas à le tuer. Malfurion est en train de le soigner. C'est pour ça justement qu'après, dans les invasions de la Légion qui se passent sur les îles brisées avec le contenu de la tombe de Sargeras, c'est pour ça qu'on revoit justement Scénarius en mode tout clean et tout. Donc là, nous avons le Maelstrom version cauchemar, et en plongeant dedans, on va à la faille d'Alne, là où il y a Xavius, et là où, dans les ténèbres de la faille, se cache également le maître de Xavius, N'Zoth. Mais bon, ça, on n'a aucun indice si c'est vrai ou pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la faille d'Alne, en termes de localisation, entre guillemets, dans le monde physique, apparemment, ça se trouverait près du Maelstrom, et c'est un endroit où les ténèbres sont les plus puissantes. Il y a pas mal d'indices qui disent que c'est vers l'endroit où N'Zoth est enfermé, mais voilà. Hop, donc voilà pour cette aile-là. Bon, c'était assez rapide, fais voir vite le jeune dragonnier du cauchemar. Entre amis, on peut se corrompre un peu, non? D'accord. Hop, ben voilà. Ben, on va voir si on peut se tag rapido pour Xavius, s'il peut y avoir un groupe direct ou pas. Et voilà quoi. Ouais, c'est sûr que là, c'est aller vite. Et d'ailleurs, je vous ai pas lu le truc là de ce que dit le... Le tag du LFR, le cauchemar a plus d'influence sur les êtres proches de la nature, il embrume leur esprit, ne laissant que peur et rage. Bon, je vois que le groupe est en train de se former rapidement, ça c'est cool, en même temps que Xavius, il est un peu plus demandé, entre guillemets, il y a plus de choses à faire avec lui, mais je pense que, pour justement faire en sorte de découper les vidéos, pareil que comme c'est découpé en LFR par elle, je pense que même si là cette partie va pas non plus durer 30 ans, c'est pas grave, ça vous fera une petite vidéo, c'est cool et ça change de mes vidéos qui peuvent durer parfois une heure. Mais on va garder Xavius pour la prochaine partie les amis. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous appréciez ce que je fais. De toute façon, je vous dirai plus d'explications et tout dans la prochaine vidéo. Vu qu'il n'y a qu'un boss, ça devrait aller vite tout ça. Et j'en profiterai pour discuter de tout ce qui se passe dans le cauchemar d'Emerald. Mais voilà.
Allez, je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.